Bonjour, je suis Amandine et je suis chef à Paris. Bonjour, je suis Agathe Reynaud-Simon, je suis professeure de gériatrie et spécialisée en nutrition et je suis la trésorière du collectif de lutte contre la dénutrition. Bonjour, je suis Eric Fontaine, je suis médecin nutritionniste au CHU de Grenoble et je suis le président du collectif de lutte contre la dénutrition. Et on est ici pour vous montrer que faire de la cuisine, c'est aussi participer aux soins. Et donc, on va faire un traitement qui n'est pas un médicament, mais qui est extrêmement important pour lutter contre la dénutrition, c'est-à-dire de manger en se faisant plaisir et en mangeant des choses bonnes. Exactement. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition, qui a pour objectif de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à la question de la dénutrition. Aujourd'hui, c'est l'opération Cuisine ouverte qui vise les EHPAD en particulier avec un concours de cuisiniers. Et tout ça est organisé par Amandine, les Insatiables, pour travailler sur les différentes recettes. Pour l'occasion, j'ai imaginé une recette évidemment gourmande, mais avec des produits faciles à trouver. Donc on va faire des pâtes aux brocolis et aux sardines. Ça a l'air bien. C'est facile et c'est de saison. C'est parfait. Les pâtes, c'est toujours de saison. Alors moi je pensais plutôt au brocoli, perso. Pour cette recette, on a besoin d'un brocoli, de pâtes, des sardines à l'huile, un petit peu d'huile ou du beurre, des raisins secs et des petits radis. Ça c'est en option. Alors on va commencer par préparer le brocoli. Donc je vais récupérer les sommités. Hop. Ça, on va le garder et on va enlever les parties un peu dures et on va le réduire en purée. Ça va faire la base de notre sauce. Là, l'idée, en fait, ça va être de garder nos petites fleurettes pas trop cuites, qu'elles se tiennent encore, qu'elles soient encore jolies. Et tout le reste de notre brocoli, par contre, on va bien pousser la cuisson pour le réduire ensuite en purée fine. Là, les petits radis, donc on va faire quelques lamelles très très fines. Ça va faire pour plus tard. Enlever juste l'arête centrale. Grossièrement, hein, de toute façon, c'est pas plus catastrophique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer nos pâtes en même temps et on va les cuire un peu comme un risotto. Alors, je vais mettre mes brocolis. Je vais mettre un tout petit peu d'eau de cuisson. Parce que ce qu'on veut, c'est une texture sauce, hein, donc pas trop sèche. Hop, on va mettre un petit peu d'huile. Et on va mixer. Donc là, on voit qu'elle se tient un petit peu, donc on va la détendre un petit peu. On va détendre un petit peu. Alors les résidents en EHPAD sont des personnes qui sont pas toujours faciles à nourrir. Elles sont très âgées, souvent malades, dépendantes. Et pour autant, on sait qu'avec des plats appétissants, des plats colorés, des assiettes où il y a plusieurs choses différentes en termes de goût, de texture, les personnes âgées vont manger mieux et ainsi pouvoir mieux se nourrir. C'est important aussi de garder du goût dans l'assiette, c'est-à-dire que pas de restriction particulière en sel, pas de restriction en sucre, c'est pas le sujet juste devant des pâtes, mais pas de restriction en matière grasse. Et ce qui compte, c'est d'avoir du goût, d'avoir aussi de l'énergie et des protéines. Et finalement, dans notre plat, on a un peu de tout ça. On a du goût, on a des pâtes qui donnent de l'énergie, de l'huile aussi, les sardines, des protéines, et de la couleur et du goût. Donc ça va être parfait. Voilà. Et donc, on ne le dira jamais assez, le risque de manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est quand on a faim, voire peut-être trop faim. Tandis que les résidents ou les malades en général, ils n'ont pas faim. Donc le risque de manger trop de quoi que ce soit n'existe pas. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre de l'huile d'olive dans la cuisine et du sucre dans les desserts. Alors, nos petites pâtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre jolie purée de brocoli directement dans la casserole.
commencer. Hop, notre petite sardine. On va la mettre en gros morceaux. Ensuite, on va mettre nos petites florettes. Ça, on peut les réchauffer si on veut, mais sincèrement, comme tout en dessous est bien chaud, normalement, ça suffit. Ouais. Ensuite, on a nos petits raisins. Et ça, je trouve que c'est important en cuisine qu'on se fasse surprendre. Et à la fois là, en termes de goût, mais aussi de texture, quoi, qui est ouais, différente. Ouais, aussi. Puis tu vas avoir un côté un peu sucré qui va ressortir, avec ce côté un peu confit, un peu pruneau presque du raisin sec. Ça, c'est pour rappeler que quand même, c'est pas l'hiver toute l'année. Hop. Et là, j'ai gardé les petites feuilles de brocoli de tout à l'heure. On ne les a pas blanchies, on aurait pu éventuellement les blanchir si on a envie, mais je trouve qu'elles sont mignonnes comme ça. Et puis, quand elles sont toutes petites comme ça, c'est assez agréable à manger. Et on va terminer avec un tour de poivre. Hop, et voilà. Et voilà. Fantastique. Bon ben, on va enfin goûter alors. On va goûter, parce vas-y. Depuis le temps qu'on j'ai attend... J'ai l'impression que t'as pas vraiment confiance en moi. Hein. Non, non, je suis un scientifique, j'expérimente. Ah, d'accord. Voilà. Oh, ouais. Ah. Oh, c'est très onctueux, c'est délicieux. Ouais, c'est un bon vent, c'est... Mmh. Ça va, est-ce que le scientifique valide? Oui, on va reproduire. Faut vérifier, ok. Parce qu'il faut un peu de sardines. J'ai pas eu de sardines encore. Bon, bah, ouais. En tout cas, à tous les chefs, j'espère que cette recette va vous donner envie. J'espère que vous allez relever le défi. Cuisine ouverte, c'est le moment d'augmenter vos performances pour le concours, mais c'est aussi l'occasion de revoir peut-être ces recettes pour toute l'année, pour essayer de mieux nourrir ceux qui en ont besoin. Voilà, je ne dirais pas mieux.